Les Africains ont une histoire et une culture cinématographique et audiovisuelle fascinante. Ça, c'est une affirmation de l'historien belge Guido Convint. Chers amoureux du cinéma africain, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bomoko Film. Dans notre rubrique Parlons cinéma, nous allons faire un trait sur l'émergence du cinéma en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Ce pays qui, depuis un certain temps, s'organise pour donner de l'élan au cinéma professionnel. Regardez. Le cinéma est un miroir, celui de notre humanité et de notre société. L'importance d'un miroir tient à ce qu'il renvoie un reflet. C'est pourquoi jamais aujourd'hui un média n'a conservé un tel pouvoir de captation et de transformation du monde. Le cinéma s'est adapté au modèle et au courant rassemblant tous les arts en un seul. Le cinéma d'auteur apprend, fait découvrir et développe les sensibilités. Il peut être l'adaptation d'une œuvre existante, donnant accès à un patrimoine culturel que tout pays, tout un continent, parfois toute la planète peut découvrir en même temps. Le cinéma part à la rencontre de son public jusque dans le village le plus reculé, toute l'année à un prix raisonnable, moins cher qu'un billet de match de foot. C'est la culture à la portée de tous. Action. Oh. La dimension économique et sociale du 7e art en fait un sujet politique délicat qui demande l'attention du gouvernement. Signalons qu'à Kinshasa, la capitale congolaise, il n'existe aucune salle de cinéma polyvalente, mais il y a beaucoup d'endroits qui possèdent une petite salle rien que pour visionner des films en DVD. Pourtant, une salle de cinéma est très importante. C'est une aberration qui se chiffre tout de même en 2018 à plus de 200 millions de tickets vendus en France et à plus de 11 milliards de dollars d'encaissement aux États-Unis. Sans compter la Chine qui possède désormais plus de salles qu'aux États-Unis. Voilà l'exemple de quelques pays qui ont compris comment générer de l'argent à travers le secteur cinématographique. Une salle de cinéma mélange les gens et les genres, crée un groupe qui, sans se connaître, va communiquer pendant quelques heures des moments d'intense bonheur. Aujourd'hui, le film devient un des symboles forts du dynamisme culturel d'un pays comme l'atteste le cas intéressant du Japon, dont le Premier ministre a décidé d'utiliser officiellement le cinéma professionnel de son pays comme outil de communication au service de l'image du Japon dans le monde. Outre son rôle culturel et politique, le cinéma a rempli une fonction sociale nette. Au niveau économique, il fait travailler des centaines de milliers de personnes. Sur un autre plan, les films captent l'histoire d'un pays et d'une société. Il est donc recommandé au ministre de Culture et des Arts de se mettre au travail pour donner l'élan au 7e art qui est le cinéma professionnel et soutenir tous ces hommes et femmes qui en font leur métier pour les biens culturels du pays. What? Step one? It's not your business. Okay, that's fine. Here. Ne me touche pas, mon gars. Hands off. What happened? Not your problem. Okay, you know what? You're the one. Stop! I say it's not your problem. Where you put my wallet? What? I didn't put it anywhere. My letter from Yvette. It's inside my. What is it? It's called a wallet. You are a thief. I'm a what? Leave me alone. Il a interprété le rôle principal dans le film intitulé Lumumba, un film qui relate la vie du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'acteur français d'origine camerounaise, Eric Ebouanyi. Marqué par ce film, il ne cesse d'en parler. Suivi, c'était au cours d'un entretien accordé à la presse au Festival du film africain. «
Je m'appelle Eric Ebouané, je suis acteur. Pour l'instant, j'ai eu deux films qui m'ont quand même marqué dans ma filmographie. Donc c'est Lumumba de Raoul Peck et un autre film qui s'appelle Disgrâce. Oh, celui qui a été le plus difficile, j'ai envie de dire mon premier rôle principal, qui était Lumumba de Raoul Peck. Pas de collaboration, désobéissance civile. Cela fait 80 ans que cela dure. Au début, c'était le trafic d'esclaves. Ensuite, le trafic d'ivoire. Après, la décimation des villages pour exporter le caoutchouc. Et aujourd'hui, les diamants, le cuivre, le manganèse, le zinc. Tout le monde sait quelle est pour demain l'indépendance. C'était la première fois que je me retrouvais à porter un film de début jusqu'à la fin. Et puis, difficile aussi parce que c'était jouer un personnage qui avait vécu, qui avait existé. Il y avait des archives, donc pour le public, on pouvait rapidement faire la comparaison. Donc il fallait quand même que je sois le plus proche de la réalité et de l'histoire vraie de Patrice Lumumba. Donc pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Un de ces jours, quelqu'un va te prendre au mot et croire que tu es vraiment un anthropophage. Hein? Entre quoi? Anthropophage. Ça veut dire quelqu'un qui mange de la chair humaine. Eh ben, si c'est ça que cela veut dire, ce soir, je me sens même trop au fâche. Je pense que par les temps qui courent, il faut rappeler aux Européens, aux Occidentaux, qu'il y a d'autres cultures ailleurs, qui est au-delà des frontières, et qu'il y a d'autres personnes qui vivent au-delà des frontières, qu'il y a d'autres cœurs qui battent et qui au-delà des frontières, qu'il y a des histoires à raconter qui sont aussi les mêmes histoires que nous vivons ici, qui ont une portée universelle. Mais il se trouve simplement que les gens ont des visages différents, des couleurs différentes. Et puis ça crée des ponts aussi, ça permet de mieux comprendre les autres cultures et de mieux appréhender les Africains qu'on côtoie dans les cités européennes, que ce soit Bruxelles, Paris, Louvain, Berlin ou d'autres villes. Parce que on ne se contente pas de recevoir que des images des news qui sont des images atroces de migrants, comme on dit, des images de guerre, des images de famine et autres, mais qu'il y a aussi l'Afrique qui vit, l'Afrique qui existe, l'Afrique qui est en devenir, l'Afrique qui sera peut-être l'Eldorado de demain. Non, le gouverneur Cornelis n'habite pas ici. Le gouverneur Cornelis n'habite plus ici. Ici la résidence de Patrice Lumumba, Premier ministre de la République du Congo. Qu'ils entendent pour une fois une parole vraie. Ça les changera. Ça changera tout le monde. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Ni cela, mes frères. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Même si au fond de moi-même, je me considère comme un jeune acteur, parce que ça fait pas tout à fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai commencé réellement, on va dire, je suis né avec Lumumba, c'était en 2000, donc ça fait 17 ans, je suis même pas encore majeur dans ce métier. Qui est plutôt un vrai honneur parce que c'est un prix qui m'a été donné en Belgique, à Louvain. Et pour la petite histoire, regardez cette tête. Moi, je me balade tous les jours à Louvain et quand je vois cette tête, j'ai l'impression que c'est un avis de recherche, c'est wanted. J'ai l'impression que c'est marqué dead or alive, qu'il y a une prime. Donc quand je vois la tranche de l'ennemi public numéro 1, je ne suis pas très rassuré dans cette ville.
À présent, votre rubrique que vous aimez tous. Dans cette partie de l'émission, nous allons découvrir le nouveau film qu'a joué la Congolaise Rachel Mwanza à côté d'un autre acteur congolais au nom de Eric Kabungu. Il s'agit du film Troisième Noce, sorti en 2019. Suivez-y dans les scripts. Nommée meilleure actrice au Festival de Berlin de 2012 pour les rôles d'un enfant soldat dans les films de Kim Nguyen, Rachel Mwanza a goûté à la gloire. Les plateaux de télévision s'est bousculé pour entendre son histoire, celle d'une survivante de la rue de Kinshasa, devenue comédienne et vedette internationale. Ce qui m'est arrivé dans la vie, genre, c'est quand même comme une histoire de Cendrillon, c'est fou. Puis les gens adorent ça, puis moi aussi, c'est incroyable. Mais moi-même, je suis étonnée. Parfois, je suis comme, oh, c'est moi qui ai vécu tout ça, puis c'est incroyable mon histoire. Après Rebelle, Rachel Mwanza s'est installée à Montréal grâce au soutien de l'équipe du film. Depuis ses succès, la comédienne est retournée une seule fois en République démocratique du Congo. Elle devait y rester un mois. Au Québec, Rachel est retournée à l'école où elle travaille à temps partiel dans un commerce au détail. Malgré les succès de Rebelle, elle a dû patienter 7 ans avant de faire un autre film. Je vous avoue quand même que j'avais eu des propositions, mais c'était des trucs qui, toujours, qui ressemblaient beaucoup à Rebelle. J'avais vraiment envie de vivre quelque chose de différent. Bonjour, c'est pour inscrire Tamara ici présente à mon domicile. C'est quoi votre lien de parenté? C'est pour un mariage. C'est quelque chose de différent et la comédie dramatique Troisième Noce, un récit de mariage arrangé entre un homosexuel et une ressortissante congolaise. Africaine. J'ai besoin du soleil. Et moi aussi j'ai besoin de soleil, on a tous besoin de soleil alors. Je veux votre chambre. Alors tu sais quoi, on va se mettre des petites règles au point tous les deux, d'accord? Pour éviter les fraudes, je vais remplir un questionnaire et après on peut tout finaliser. Martin. Un homosexuel veuf et fantasque d'une cinquantaine d'années se voit proposer contracter un mariage blanc avec une Congolaise de 20 ans. Ces deux êtres que tout sépare vont devoir faire croire à leur amour auprès des autorités migratoires et à force de faire semblant, vont finir par s'aimer à leur manière. Montrez-moi où vous dormez, mademoiselle. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais faites-vous dormir tous les deux à gauche. Je peux au moins savoir à qui je donne cet argent? Pour lui, j'aurais craché, je te les rendrai. Mais c'est qui lui? C'est mon frère. Philippe, mon nouveau compagnon. Mais Tamara, mon amour, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais comme ça, j'ai l'air un peu dépressif, mais je vous assure, je crois encore en la force de l'amour. J'avais vraiment envie de ça pour montrer que je peux être bonne avec la comédie. Espèce de gueule dégueulasse, casse-toi! Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Allez, dis-moi n'importe quoi. N'importe quoi? Oui, n'importe quoi. En fait, ce qui fonctionne entre tes deux personnages, qui sont terriblement différents, dans deux sphères totalement différentes, d'âge différent, de culture différente, c'est que chacun porte une forme de tristesse et de tragédie, très différente chez Tamara, puisqu'elle a un parcours de vie beaucoup plus dur que le mien. Et je pense que c'est la confrontation de ces deux souffrances qui fait que tout à coup, il y a de l'empathie d'un personnage pour l'autre. Ceci est un film du Canadien David Lambert, sorti en 2019. La réussite du film repose sur un scénario relativement solide et dont les passages comiques ne sont ni gratuits ni appuyés. Souvent, tout passe par les modulations de ton, l'ironie et le cynisme. C'est une vraie comédie dramatique. C'est une comédie qui fait rire. Et puis, il y a des moments émotionnels, des moments où on a la larme à l'œil, on est ému et on se pose des questions aussi sur nos vies. Donc, c'est vraiment une comédie. Et une vraie et dramatique. C'est vraiment les deux. Le cinéaste rappeur d'origine congolaise Eric Kabungu fait également partie des principaux acteurs du film Troisième Noce. Tamara, mon amour, qu'est-ce que c'est que ces histoires? En 2016, Eric Kabungu interprète le rôle principal de Diallo Makabouri, un réfugié nigérien accueilli dans une famille allemande. Dans les films allemands, bienvenue chez Hartmann. Nur Spaß, nicht nur Manuel Moyer. Ich liebe ganze Land, ich dankbar. Die ganze Welt, Sascha. Verrückt. Willkommen in Deutschland, Diallo. Pour les besoins de ses films, il apprend l'allemand et interprète deux chansons intitulées Fire That Gone and White Right. Team T.
Le film Sawa est le tout dernier auquel participe Erika Bongo. Tourné en Égypte, dans ce film, Eric interprète le rôle de Skahab, un DJ du Caire, invité à poser ses sons à Bruxelles à l'occasion d'un concours international de DJ. Pendant son trajet, il reste coincé dans un pays dont il n'a jamais entendu parler. Il décide alors de trouver son chemin pour atteindre son but à temps alors qu'une révolution éclate dans son pays. Fiji, you DJs have the fingers for this job. Toi et tes conneries. Whoa! I think we have a small problem here. Il est aujourd'hui à prouver que plus de dizaines de Congolais font la fierté du talent congolais sur la scène internationale et contribuent au développement de plusieurs nations. L'homme propose, Dieu dispose. Je ne pourrais jamais imaginer là où je suis aujourd'hui. Je laisse tout entre les mains de mon Dieu. Chapeau à tous les acteurs africains qui font la fierté du continent noir sur la scène internationale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Si vous voulez nous contacter, veuillez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve prochainement.